Vous utilisez le Wi-Fi avec ça pour les synchroniser? Non, c'est, on monte ouais. Après. Ouais. Parce qu'il y a du Wi-Fi, il y a un signal, on peut faire du timecode, mais ouais. Moi je le fais pas non plus. J'ai pas exploré quoi. J'ai une seule question à poser. Waouh. Pas n'importe laquelle. C'est celle d'André Bazin. Pour toi, qu'est-ce que c'est le cinéma? Oui. Ce qui est merveilleux, c'est que c'est un travail manuel et peut-être une cosmologie, mais ça passe par un travail manuel. Donc du coup, il n'y a pas le problème de l'art, de la création. Voilà, tu fais ce que tu peux avec ce que tu as. Tu dois trouver de l'argent, ce qui est compliqué. Et quelque chose va aller au-delà du visible et de l'audible, alors que l'image et le son, ce serait la définition physique du cinéma, et il y aura une vibration. Et c'est cette vibration dont, en fait, tu n'as même pas à te soucier qui va arriver, grâce au travail manuel. Quand tu parles de travail manuel, c'est que toi... Tous les métiers qui font un plan. Ben regarde, là, par exemple, toutes ces choses-là, j'adore. C'est ça que j'adore. Les artisans. Oui, non, mais c'est même pas la peine d'employer des mots aussi nobles. Juste... Tu te démerdes, quoi. Tu fais avec des trucs. Tu fais avec des trucs. Donc c'est ça qui nous protège de l'art, qui est une vraie saloperie. T'as pas à t'en soucier. Ouais. Mais les autres s'en soucient pour toi. Les autres, c'est qui les autres? Les créateurs, les critiques, les spectateurs, les professionnels, quand tu reçois un prix. Mais j'en sais rien, ça, c'est pas mon. Tu me parlais du définition du cinéma. Enfin, le cinéma, pour être. C'est ça qui m'excite, qui m'anime. C'est ça? T'as pas. Voilà. Quelque chose. Fait avec des outils et qui pourtant va créer une vibration. Et ça, c'est la magie. Oui, mais c'est pas de la magie. C'est pas de la magie, c'est... C'est très c'est humain. Pour toi, hein. C'est humain. Ouais, c'est très concret pour toi, la notion comme ça du mécanisme cinématographique. C'est une chimie. C'est une chimie. C'est une chimie ou une alchimie? Les deux, si tu veux. Ah non, mais c'est... Non, parce qu'alchimie, c'est un mot noble. Tout ce qui est noble, tu veux pas? Je sais pas, m'en occupe pas. Tu t'en occupes pas? Non. Tu t'occupes de l'humain? On a la chance... Dans tes films. On a la chance de devoir faire des films à plusieurs. Et donc, il y a tout, il y a la politique, il y a les salaires, il y a à manger, bien manger ou pas bien manger, comment on est logé, est-ce que tout le monde est logé pareil, c'est des questions fondamentales. Et à partir de là, quelque chose va exister, et c'est une vibration. Donc la régie, par exemple, c'est très important. Je trouve. On peut expliquer ce que c'est un peu la régie, pour exemple. Mais la régie, ce que je viens de dire, la bouffe, les transports, la régie générale, enfin l'organisation concrète d'un plateau, les autorisations de tournage, comment tu parles à une personne à qui est-ce qu'on peut rouler en voiture sur votre champ, comment tu parles à la personne. Est-ce que tu réagis de la même façon lorsque tu tournes seul, parce que ça t'arrive, tu fais des films seul, ouais. Ou lorsque tu es avec une équipe, est-ce que, comment dans ton mental ça... Non, c'est pas différent. Non, pas du tout, c'est... Non. C'est pas différent. Ben non. Je suis un peu étonné.
Parce qu'il y a quand même une responsabilité autre, ou c'est la même responsabilité? Non, non, il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité, il y a juste de l'amitié. Tu n'as pas envie que les autres s'ennuient. Donc tu essayes d'avoir travaillé pour qu'ils aient un os à ronger, qu'il leur plaise. Les techniciens, eux, ils font plein de films toute l'année. Eux, ils travaillent tout le temps. Donc, qu'ils passent qu'ils soient... Et donc, du coup, ça crée un... Oui, voilà. Comme quand t'es tout seul, quoi. Après, il y a le montage. Donc, quand t'es pas tout seul. L'écriture, souvent, des films qu'on fait comme ça, seul, s'écrivent. Là, par exemple, avec Caroline de Tournée pour Les Ornes. Donc on est. Ah oui. Tu passes d'abord par l'écriture pour le film. Quand je parlais de l'écriture, il n'y a pas d'écriture. Je n'écris rien. Mais l'écriture, la structure, l'écriture du récit d'un film à partir des rushs qu'on regarde lorsqu'on arrive en salle de montage. Le documentaire, l'écriture dans le sens l'écriture d'un film. Ouais. Je parlais de sculpture tout à l'heure. Oui, voilà. Sûrement.